Il règne ici un climat de sérénité, de joie et de bonne humeur. Je pense que ça prévaut une finale sensationnelle. En cours, donc le Collège Alain, il participe depuis 6 saisons aujourd'hui. Donc c'est rentré un petit peu dans l'imaginaire des élèves du collège de la presqu'île de Crozon, des parents d'élèves aussi. C'est un peu un moteur pour leur imagination et moi je dirais que c'est un petit peu notre imagination qui guide notre intelligence. Ça leur donne beaucoup d'énergie tout simplement et ça les fait réfléchir, ils se dépassent. À vous écouter et à déguster. Alors, nous sommes les Sugarmen. On vient pour représenter l'Académie Aix-Marseille. Notre thème, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est les bonbons, les sucreries, les gâteaux, parce que nous sommes 6 cuisinières, 6 grosses gourmandes. On essaie que ce dispositif soit accessible pour tous, dans tous les milieux de collégiens ou lycéens, partout en France. Ça, c'est essentiel aussi pour nous. L'association, c'est qu'on a derrière aussi tout un ensemble de centres de ressources à travers la France et qui permet de développer ce dispositif dans toutes les académies de France. On a des centres techniques aussi qui sont très motivés, qui se mobilisent. On a les partenaires, on a les gens de l'association, on a aussi une agence de communication très dynamique. Et tout ça, ça fait que course en course, ça marche et ça va continuer. Je viens d'essayer les lunettes et franchement c'est vraiment bizarre et je conseille à personne de boire et après de conduire parce que c'est super dangereux et on n'a pas les mêmes réflexes que quand on est dans un état normal. Course en cours en 3 mots, esprit d'équipe, passion automobile et esprit de compétition. Extraordinaire, il suffit d'être présent à la finale nationale pour s'en rendre compte. Il y a un vrai problème de déficit de vocation pour la science et pour l'ingénierie en France et partout dans le monde, et en particulier en France. Et le programme Course en cours est un programme qui est là pour susciter des vocations pour la science, pour faire découvrir la science, l'ingénierie à des adolescents qui, pour beaucoup, vont découvrir qu'ils ont la capacité à ensuite faire des études à caractère scientifique qu'ils n'auraient sans doute pas fait sans avoir participé à ce programme. Travail en équipe, autonomie dans leur travail, créativité. Sans évaluation, il y a eu une stimulation énorme. Ça change de l'enseignement traditionnel et là, ils sont rentrés dedans et sans oublier en fait l'enseignement traditionnel. On va accoster les sponsors, tout ça, il faut absolument être professionnel. Et donc des fois c'est parfois difficile, il faut pas trop être ludique, pas trop rigoler tout le temps, il faut bien se concentrer. Puis au niveau des logiciels aussi, ça peut nous donner des idées sur les métiers d'avenir. C'est pour ça que d'ailleurs il y a 4 membres de cette équipe qui vont faire une S Sciences de l'ingénieur l'année prochaine. Je sais pas si j'aurais aimé participer, par contre ça m'aurait beaucoup rendu service. Parce que c'est uniquement quand j'ai accédé au monde professionnel que j'ai enfin compris à quoi servait la physique, à quoi servaient les mathématiques. Et je trouve que ce dispositif est un moyen pour les jeunes qui ont un peu de mal avec l'abstraction des matières scientifiques. C'est un excellent moyen de comprendre à quoi ça sert. Quand on voit les résultats auxquels on parvient, j'ai toute confiance dans la capacité de cette génération à faire de l'industrie française ce dont le pays a besoin. On fournit des tuteurs à chacune des équipes pour permettre d'accompagner les élèves des lycées et collèges et de leur donner aussi des perspectives d'avenir sur la suite.
Les tuteurs sont des étudiants donc, de l'IUT. Ils sont assez facilement recrutables. En fait, c'est un projet qui généralement plaît. Donc, de toute façon, les étudiants, de la même manière que les élèves dans les collèges et les lycées, sont partants. Et donc, du coup, ils partagent leur expérience. Je consiste à placer des contraintes sur les roues, à placer les roues sur un véhicule. Les premiers sont le titre Marlins Schindler. On va passer à soutenance, on est confiant. Enfin, on a bien géré la première fois en finale régionale, donc on va refaire la même chose. Je pense que tout va bien se passer. Dans leur vie future, dans leur vie professionnelle, il va falloir qu'ils apprennent à relever des défis. Être présent ici en finale, c'est un véritable défi. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et en même temps, c'est quelque chose d'amusant. Et d'autre part, il faut qu'ils apprennent à soutenir leur projet, à l'exposer, à s'expliquer devant un jury. Maintenant, sur le chaos, on va déterminer la voiture la plus rapide. C'est tout de suite. Premier quart de la journée, il faut savoir si ça se passe. De course en cours 2014 sont l'église Bill. Regardez là. Qu'est-ce que tu fais?